Son geste a beaucoup surpris et surtout choqué. Tant par la préméditation qui semble avoir été son leitmotiv, que par le statut de la personne à qui s'en est pris. Damien Tarel est en effet sous le feu des projecteurs depuis plusieurs heures pour avoir asséné une gifle à Emmanuel Macron, alors en déplacement dans la Drôme. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'agresseur du président de la République présente un profil assez surprenant. Fan des temps médiévaux anciens et des sports de combat disparus, le gifleur d'Emmanuel Macron serait également un fervent suiveur des différents types de courants d'extrême droite qui existent en France, à l'image d'une des sections du mouvement Action Française, à Lyon, notamment réputée pour son extrémisme. Quand Emmanuel Macron s'est malheureusement fait gifler, un certain slogan a été entendu sur les lieux. Il a probablement été énoncé par l'agresseur lui-même. En effet, la phrase « Mange à Saint-Denis » a alors résonné au sein du groupe de personnes réunies pour accueillir le président de la République. Ce slogan est en réalité une expression qui a son habitude parmi les extrémistes de droite et certains royalistes. Une preuve irréfutable du profil de Damien Tarel et donc, de son désamour pour Emmanuel Macron.